Depuis bientôt un an, le bus de l'orientation sillonne les routes de la région pour renseigner les jeunes et les demandeurs d'emploi sur l'ensemble des métiers. Donc le bus de l'orientation est un bus mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il a vocation d'aller dans toute la grande région, sur les établissements scolaires, mais aussi sur les établissements qui reçoivent du public adulte, donc Mission Locale, Pôle Emploi, AFPA, Greta, etc. Donc on se déplace, nous faisons un département par semaine et un événement par jour. Pour rendre ses recherches plus attractives, le bus utilise les nouvelles technologies. Donc le bus, on présente deux ateliers bien distincts. Donc un premier atelier sur des casques de réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, c'est de la vidéo à 360 degrés. Ces vidéos nous permettent d'être en immersion dans des milieux professionnels. Donc nous avons environ 40 vidéos qui nous répertorient 150 métiers. Et un deuxième atelier où nous allons retrouver des tablettes numériques. Les tablettes numériques nous servent d'outils pour aiguiller les gens sur de la recherche d'informations sur l'orientation. Mais l'orientation en tout genre. Autant la recherche d'emploi que la recherche de formation, de financement ou de recherche sur les métiers. En partenariat avec la mission locale, Pôle emploi, le CIO, le lycée des métiers de la montagne et le lycée de Saint-Jean-de-Maurienne, le bus est venu toute une journée sur les quais de l'Arvan. Oui, on a en tout sur la journée, on a plus d'une vingtaine de jeunes qui vont être présents. Donc on les a mobilisés toute la journée. Quand on leur en a parlé, ça a été super intéressant, on a bien communiqué dessus et ils ont pris ça avec plaisir. Environ 30 demandeurs d'emploi étaient présents pour participer aux ateliers. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve en fait sur un marché du travail où les demandeurs d'emploi en fait sont beaucoup dans la reconversion. Et donc, on a besoin de partenaires pour justement parler des métiers qui recrutent. Et c'est le but du bus aujourd'hui, c'est d'avoir en fait tout un panel de métiers grâce à des outils numériques notamment qui permettent de se rendre vraiment compte et de se mettre en situation sur les métiers qui recrutent. Des jeunes motivés par l'utilisation du numérique pour trouver leur voie. C'est super attractif, c'est intéressant. On a les casques de vidéo de réalité virtuelle, donc ça nous aide à voir le métier en profondeur. Et puis au moins il y a des professionnels qui nous parlent, qui présentent leur métier. J'ai trouvé ça intéressant. Puis il y a les tablettes aussi, qui nous montrent par exemple sur certains métiers les formations qu'on peut avoir. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Et puis c'est un plus avec la mission locale qui nous aide elle aussi à trouver notre orientation, je trouvais ça bien. Un outil novateur qui permettra peut-être à certaines de ces personnes de trouver leur voie.